Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Avec Willy qui nous rejoint. Bonjour Willy. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour Willy. Allez, allez-y Willy. Faites-nous rire. Il paraît que vous avez la passion des jeux. Eh oui Jean-Marc, beau lancement. Depuis tout à l'heure, on parle de la folie des jeux télé. C'est vrai que les jeux télé, ça me rend dingue. La semaine dernière, j'ai même été candidat sur le mot de passe sur la 2 avec Sabatier. J'ai cartonné. Ah hein. Bon tartine. Passe. Baiser. Passe. Fable. Passe. C'est pas facile, le mot de passe. Tu dis passe et ça marche. Vas-y. Cadet. Passe. Poubelle. Passe. Renard. Passe. J'ai tout déchiré. Les émissions de Call TV aussi, ça me rend dingue. Ça rend dingue surtout les présentateurs. Allez, je vous rappelle que pour gagner 500€, vous devez retrouver le nom de notre chanteur qui a chanté Allumer le feu et qui s'appelle Johnny. Johnny quelque chose. Allez, plus que 3 minutes. Et au bout de 10 minutes. Allez, allez, plus que quelques secondes pour retrouver le nom de ce chanteur. Sa femme s'appelle Laetitia Hallyday et son fils David Hallyday. Appelez-vous vite, il reste plus que 2 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, allez, allez, appelez-nous vite pour nous dire Johnny Hallyday, Johnny Hallyday. Et au bout de 20 minutes, allez, allez, putain, allez. Moi, tous les jours, je regarde Motus rien que pour le plaisir d'entendre la petite musique qui passe aux mauvaises réponses. Ah, elle est tellement géniale cette musique que je m'en sers toute la journée dans ma vie privée. Oh non chérie, t'as encore lavé ma chemise à 40? Tu sais combien elle m'a coûté? Je sais pas, 25€? Eh non, c'était 60, désolé, tu quittes la maison, allez hop, tu te tires, il n'y a pas de jeu, dégage. Les jeux télé rendent dingue tout le monde. Il n'y a qu'à voir la joie des candidats dans des chiffres et des lettres. Bravo Janine, pour votre 83e victoire, vous remportez la coquette somme de 104€. Alors heureuse. Ah merde, merde, attendez. Ah, voilà, Janine, c'est bon, vous êtes revenue. Alors, vous êtes heureuse. Bon, le temps d'essuyer Janine. Oh et non, là, non, oh non. Non, mais je l'avoue. Essuyer Janine, ça va pas, non. Excusez-moi, je sais que vous la connaissez bien. Mais oui, la pauvre. Non, mais je l'avoue, mais c'est à n'oublier pas les paroles que je me défends le mieux. Bonjour et bienvenue à la SNCF. Toutes nos lignes sont occupées, il y avait rappelé ultérieurement. Ouais, bah faut se les appeler, hein. Je connais les paroles par cœur. Vous le voyez, Dominique, vous n'êtes pas le seul champion dans ce studio. En plus, je suis désolé, mais 156 600€, c'est mesquin. C'est clair, c'est clair. Même pas de quoi s'acheter une place de parking à Paris. C'est pas avec... je conduis pas. Bah oui, bah, tant mieux. Bah, hein. Mais c'est pas avec ça que... Pardon, putain. Bon, la gaffe, c'est vous ou pas? Oui, c'est moi. Ah, c'est pas une gaffe, c'est super marrant. Non. Oui, c'est super marrant. Tu vois que c'est marrant. Bon. Bien sûr que c'est marrant. Non, mais c'est pas avec ça que vous allez attirer les gonzesses. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si des gains au jeu attiraient les filles. Salut, je t'ai vu à question pour un champion, non? Hein, tu étais trop sexe avec ton dictionnaire des vins de France. Ah bah non, j'ai gagné les dictionnaires des chiens de race, dommage. Bon, allez Dominique, gardez bien votre place chez Nagui, vous êtes bon, restez. C'est toujours dommage quand un bon part. À vendredi. Oh, merci Willy, merci beaucoup.